Eh bien, salutations à toutes et à tous, c'est Landorf pour la chaîne Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo intitulée La vérité sur Starfield, ou bien, autrement dit, la critique des critiques de Starfield et mon propre avis sur le jeu en lui-même. Donc, nous allons commencer par le premier point à mettre en exergue. Starfield est un Star Citizen killer? Non, pas du tout. Bethesda n'a jamais eu la prétention de dire que Starfield était un Star Citizen Killer, ou bien un Star Citizen-like, ou un Elite Dangerous-like, ou un No Man's Sky-like. Dans tous les cas, ces différents jeux ont la fâcheuse tendance à se mettre des bâtons dans les roues d'eux-mêmes, et je dis ça en tant que gros joueur de Star Citizen, Elite Dangerous et No Man's Sky. Star Citizen pour les récents dramas, Elite Dangerous pour l'abandon des consoles à cause de Odyssey, hein. On s'en souvient, malheureusement, ça remonte à loin, mais bon, soit. Donc voilà, donc la seule fois où on a pu entendre par exemple Todd Howard parler de Star Citizen, c'est quand on lui a posé la question sur l'atterrissage sur les planètes. Est-ce que ce serait comme dans Star Citizen? Il avait répondu que non, que ça serait trop compliqué pour le moteur Creation Engine 2 actuellement à mettre en place, et que du coup il saluait l'exploit de Star Citizen d'avoir réalisé ce genre de choses. Un deuxième point que je vais mettre en exergue, c'est les gens qui prétendent que le jeu est dégueulasse d'un point de vue texture. Si Star, Star, j'allais dire Star Citizen, évidemment. Si Starfield est dégueulasse d'un point de vue texture, je suis désolé de le dire, mais ça veut dire que Cyberpunk est dégueulasse, Red Dead est dégueulasse, Red Dead Redemption 2 est dégueulasse, God of War est dégueulasse, énormément de jeux sont dégueulasses en fait. C'est un argument de très mauvaise foi, j'en suis désolé. Ici, malheureusement, la qualité du jeu sera moindre parce que j'enregistre et je joue en même temps pour avoir un support. Donc malheureusement, la qualité est un peu réduite. J'en suis navré d'avance. Donc on va parler maintenant de la texture qui a sur les performances, on va parler des bugs. Est-ce que j'ai rencontré des bugs? Parce que je vois beaucoup de compilations de bugs. Je pouvais vous dire, après 90 heures de jeu, le seul bug que j'ai rencontré, c'était Vasco qui glitchait dans le sol au niveau de la porte du cockpit qui m'empêchait du coup de sortir de mon cockpit dans mon vaisseau. C'était un peu gênant, mais j'ai eu que ça comme bug. Depuis, je l'ai plus pris dans mon vaisseau et tout se passe pour le mieux, pour le meilleur des mondes. Alors, en ayant vu les nombreuses compilations de bugs, je me suis dit, ça ressemble quand même pas mal à des bugs liés à des soucis de performance au niveau des machines. De fait, ce que j'ai fait comme test, c'est que j'ai réduit au maximum les performances de ma machine en baissant la fréquence du CPU et baissant la fréquence de la carte graphique et ainsi de suite. Oui, je suis sado, mais j'aime bien vérifier les choses. Résultat des courses, je n'ai jamais eu autant de florilège de bugs de ma vie que depuis que j'ai fait ça. Donc, si vous voulez jouer à Starfield sans bug, jouez en bonne condition. Ne laissez pas votre machine mourir de chaud ou autre. Essayez de jouer quelques heures, faire une pause, jouer quelques heures, faire une pause. Ne faites pas comme moi, comme un con, à jouer plus de 10 heures au jeu. Cependant, il y a un bug qui est récurrent, qui vous sied un peu en lien avec les performances, j'ai remarqué. C'est la synchronisation labiale. La synchronisation labiale, vous savez, c'est quand les PNJ parlent et que c'est synchronisé avec l'audio. Donc, concernant la voix française, il y a des soucis au niveau de la synchro labiale qui seront très vite patchés, je l'espère. Et en réalité, j'ai pu remarquer que c'est aussi un souci au niveau des performances. Parce que dès lors que mon PC de jeu n'avait pas du mal, ne se bridait pas et autres, la synchro labiale était parfaite. Cependant, au bout de, on va dire, 8 heures de jeu d'affilée, oui, je sais, je suis ado, mais j'aime bien ce jeu, et vous comprendrez par la suite ce que je n'aime pas dans ce jeu, eh bien, j'ai pu remarquer que la synchro labiale avait tendance quand même à se décaler pas mal au fur et à mesure que je jouais, que mon PC se bridait car chauffait de trop. Voilà, c'est un souci encore au niveau des performances. Bon, vraisemblablement qu'il y a des moyens pour résoudre ça et j'espère que Bethesda résoudra ça parce que ça casse un peu l'immersion à ce niveau-là. Mais voilà, c'est un souci lié à la version francophone. Au niveau du clavier, le non-support de l'AZERTY, ouais, c'est un faux problème en fait parce que je vous explique ça parce que dans les entreprises actuellement, eh bien, on abandonne de plus en plus l'AZERTY au profit du QWERTY. Donc l'AZERTY est de moins en moins utilisé de par le monde, donc c'est ça un faux problème encore, à savoir qu'en tant que joueur sur PC, eh bien, vous allez de toute manière remapper les touches comme vous le souhaitez, donc
Voilà, si vous voulez jouer avec, je ne sais pas moi, les touches JKL, IJKL par exemple, pour les touches de déplacement, ben, grand bien vous fasse. Donc ça c'est aussi un faux problème en l'occurrence. Alors, on va parler des compagnons. Je n'ai pas parlé des IA des compagnons, on va parler des IA plus précisément par la suite. Les compagnons. Et le joueur, par la même occasion, vous savez que vous pouvez mettre une combinaison. Cependant, il faut distinguer deux planètes sur Starfield, les planètes hostiles et les planètes non hostiles, avec un environnement non hostile. Dans le jeu, comme je vais vous le montrer, vous avez le choix de cacher ou d'afficher la combinaison dans les zones habitées. Ils auraient dû mettre ça, afficher la combinaison dans les zones non hostiles. Pour la simple et bonne raison que ce que va faire ce paramètre-là, c'est d'afficher donc votre combinaison ou pas dans les zones qui ne sont pas hostiles, donc c'est-à-dire sur une planète habitée où il y a une bonne atmosphère et ainsi de suite. C'est le même principe qu'avec les compagnons. Donc ici par exemple Sarah Morgan, elle ne va pas afficher sa combinaison parce qu'on est dans et mon personnage non plus parce qu'on est dans une zone qui n'est pas hostile. Si nous étions dans une zone hostile, nous aurions la combinaison de manière automatique. Donc c'est un faux problème. Je vous l'accorde, les gens qui jugent là-dessus sont très cons parce qu'ils ne savent pas lire. Donc nous allons parler aussi donc de la fameuse minimap ou l'absence de minimap parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent ce point-là. Alors, une minimap c'est pour bien assister les joueurs quand même. Et le problème d'une minimap c'est que ça casse l'exploration à ce niveau-là. À savoir que, eh bien, j'ai pu m'apercevoir par exemple sur des jeux où vous avez la possibilité de mettre une minimap et ou de ne pas en mettre, que dès lors qu'on met une minimap dans un jeu, les joueurs auront plus tendance à suivre un tracé direct vers la destination plutôt que d'explorer, alors qu'avec une boussole, les gens explorent plus. Je vais prendre l'exemple de Tezo à l'époque où j'y jouais. Et où j'étais membre du DTHL, j'ai pu me rendre compte de la différence entre un joueur qui utilisait une minimap et un joueur qui n'utilisait pas de minimap et qui utilisait la boussole. Ceux qui utilisaient la boussole avaient plus tendance à explorer les alentours, tandis que ceux qui avaient la minimap faisaient des lignes droites quasi systématiques vers leurs objectifs. C'est un parti pris, c'est un game design, c'est pas pour ça que ça en fait un mauvais jeu, il faut ne pas se plaindre, et en plus de ça, si vous ouvrez la map, vous pouvez. Carte de la surface, vous pouvez afficher une carte plus ou moins détaillée de la surface. Donc vous voyez les différents dénivelés, on va dire, comme si c'était un radar qui vous le donnerait. Donc voilà, donc ça c'est un faux problème, encore une fois. On va parler maintenant de la quête principale. Rassurez-vous, je ne vais pas vous spoil. On va faire une analogie très simple, pardon. La quête principale, c'est comme un moteur diesel. Il faut le temps pour qu'il chauffe. Et une fois qu'il est chaud, ça passe nickel. Je peux vous dire que la quête principale, pendant les premières heures, elle est chiante. Mais au bout d'un moment donné, il y a les choses qui se débloquent. Et elle devient très intéressante. Et le sujet de fond de la quête principale est très intéressant. À tous les fans de Warframe, si je vous dis éternalisme, normalement, vous allez comprendre de quoi je parle. En ce qui concerne le New Game Plus, oh le New Game Plus, oh qu'est-ce qui m'a fait chier par exemple parce que j'ai passé des milliers, non pas des milliers, quelques heures, c'est pas des dizaines d'heures, à faire mon vaisseau, à modder mon vaisseau qui sera le point à la fin de la vidéo parce que ça m'énerve. Le problème du New Game Plus c'est que du coup vous perdez tout, mais le problème c'est que je peux pas lui rendre rigueur parce que tout est justifié de la façon dont le New Game Plus travaille, donc c'est à la fin de la quête principale, et je suis désolé de l'admettre, mais c'est le jeu qui le met en, qui met en place le New Game Plus le plus, qu'on va dire, accurate à l'univers possible, donc voilà, je ne peux rien dire par rapport au New Game Plus parce que c'est vraiment top, c'est vraiment justifié. Et avec le New Game Plus, en fait, vous aurez des possibilités de dialogue plus avancées que sans le New Game Plus. Par exemple, si vous faites une quête avant le New Game Plus et que vous la terminez, que vous refaites cette quête-là avec le New Game Plus, vous aurez des nouveaux choix de dialogue qui vont bifurquer sur des nouvelles choses. C'est très intéressant quand même à faire.
pour ça qu'il faut pas mal d'heures de jeu pour découvrir tout le jeu. Maintenant, on va parler des IA, nos très chères intelligences artificielles, pas comme ChatGPT et autres, non, des IA de jeux vidéo. Bah, les IA des jeux vidéo, c'est comme les IA dans Cyberpunk, c'est pas terrible, comme les IA dans The Witcher, c'est pas terrible, comme les IA dans Ghost Recon, c'est pas terrible, comme les IA dans Payday 3, c'est pas terrible. C'est des IA de jeux vidéo, quoi. Donc, malheureusement, c'est pas terrible et ça. Jusqu'à ce qu'il y ait une vraie révolution à ce niveau-là, pour l'instant c'est pas terrible terrible. Donc est-ce que les combats à pied sont mous? La réponse est non, tout bonnement. On pouvait penser que les combats auraient été mous suite au trailer qu'on a eu pendant les vacances d'été, pendant le mois de juillet je pense, et avant. Cependant, eh bien, on a Bethesda qui a travaillé, je ne sais plus avec quel studio, je ne sais plus si c'est Bioview ou BioWare. Ils ont travaillé avec ces deux studios-là et du coup, bah, déjà les mouvements en troisième personne, je suis désolé, mais ils sont beaucoup plus souples et beaucoup plus propres que sur les Skyrim et Tutti Quanti. Les combats sont vraiment bien comparés aux Skyrim et Tutti Quanti. Je me surprends à jouer à un jeu Bethesda à la troisième personne. Alors que d'habitude, c'est première personne où je meurs, où je saigne des yeux, parce que les animations sont pas terribles. Là, les animations, elles sont nickel chrome. On va parler maintenant du modding des armes et de la combinaison. Ah, ce point-là qui fait grandement débat parce qu'il y a beaucoup de détracteurs des Fallout à ce niveau-là. Eh bien, je vais vous dire que c'est du Fallout en amélioré. C'est-à-dire qu'au lieu de devoir décraft énormément d'armes, vous allez devoir faire des recherches pour débloquer les modules. C'est mieux que Fallout à ce niveau-là. Par contre, pour créer ces modules et ainsi de suite, vous aurez besoin de certains points de compétences. Ce qui est logique, en fait, dans tous les RPG, c'est toujours pareil. Si vous voulez cuisiner, vous allez devoir apprendre à cuisiner et avoir des compétences particulières en cuisine. Si vous voulez, je sais pas moi, forger une arme, vous allez devoir avoir des compétences particulières en forge d'armes et ainsi de suite. Donc ça, il n'y a pas de souci à se faire, c'est encore une fois un faux problème. Donc on parle des armes, mais pour avoir des armes et pour les modder les armes, il faut quoi? Il faut des ressources. Les ressources, vous avez deux méthodes en obtenir. Soit avec les avant-postes, la méthode que je n'ai pas faite au début parce que je la trouve un peu compliquée à mettre en place au tout début. Soit la méthode acheter les ressources au niveau des vendeurs et tout stocker dans la soute de votre vaisseau. C'est la solution que j'utilise encore aujourd'hui, même si j'ai un avant-poste qui tourne en boucle. Donc c'est aussi un faux problème. Les ressources, elles se font très facilement quand vous achetez au niveau des marchands, sachant que les crédits se font très rapidement aussi. Donc c'est aussi un faux problème. À ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de soucis. C'est juste pour des ressources un peu plus avancées que là, c'est un peu plus chiant, mais ça va encore. Maintenant, on va parler à ma bête noire dans Starfield, les vaisseaux. Je vais pas parler des combats des vaisseaux parce que ça, honnêtement. Je savais très bien que Starfield n'était pas Star Citizen ou que sais-je like. Parce que Bethesda n'a jamais eu la prétention de le dire. Je le reprécise, éventuellement. Donc, les combats des vaisseaux, j'étais agréablement surpris de ce qu'ils ont pu faire avec le Crash Engine 2. Mais aussi agréablement surpris parce qu'il y avait certaines manips que je faisais sur Elite Dangerous, que je faisais de la chasse à prime ou du combat PVP, que j'ai pu refaire ici dans Starfield. Ça c'est un bon point positif. La gestion aussi de l'énergie à mettre dans les moteurs et tout ça. Bon, je sais pas encore à quoi ça correspond vraiment dans Starfield parce que ça a l'air d'être du gadget plus gadget qu'autre chose. Si ce n'est pour le bouclier, en fonction du nombre de barres que vous mettez dans le bouclier, vous avez tel pourcentage de bouclier. Soit. Sauf que dans Elite Dangerous, si je vais prendre l'exemple d'Elite Dangerous, ça changera la vitesse à quel point votre bouclier recharge. Cependant, le vrai point noir qui me déçoit fortement dans le jeu, c'est l'aspect bac à sable du craft des vaisseaux. Pas le fait que ce soit bac à sable, mais plutôt que ce ne soit pas un vrai bac à sable. Je m'explique, et pour vous expliquer ça, je vais aller voir mon très cher ami technicien de vaisseau qui est ici présent, qui regarde sa liste depuis tantôt. Hey, que puis-je faire? Je vais vous montrer ça avec mon vaisseau. Déjà, vous allez me dire, tiens, c'est bizarre, ton vaisseau il a plus de moteur que moi alors que je joue aussi à Starfield. C'est normal, j'ai dû installer un mode qui s'appelle Starfield Script Extender, qui permet de mettre en place des scripts dans le jeu pour tweak certains trucs. Par exemple ici j'ai tweak plusieurs trucs. Le fait qu'il n'y ait plus de
limite au nombre de réacteurs que je peux poser. Nickel. Le fait qu'il n'y ait plus de limite au niveau du réacteur de type A, B, C, machin, nickel aussi. Le fait qu'il n'y ait plus de limite de nombre de propulseurs, nickel. Le fait qu'il n'y ait plus de limite de train d'atterrissage, d'armes et ainsi de suite, nickel. Voilà. Tous ces trucs-là, je suis désolé, ça aurait dû être dans le jeu de base. Parce qu'actuellement, si vous voulez faire un beau gros vaisseau bien au petit, c'est impossible. C'est en guillemets impossible. Surtout si vous voulez allier un vaisseau opti avec un vaisseau beau et fonctionnel. C'est pas évident du moins, on va dire. C'est pas que c'est impossible, mais c'est pas évident à faire. Donc, voilà, c'est ça le gros point noir que j'ai, c'est la limitation au niveau du nombre de moteurs et ainsi de suite qu'on peut mettre. Le fait aussi qu'on soit limité à 3 groupes d'armes, ça aussi c'est limitant. Si vous voyez, j'ai X armes ici, mais j'aurais aimé, vous voyez, mettre des tourelles ici. Pour pouvoir faire en sorte que mon membre d'équipage utilise des tourelles, comme ça j'ai des tourelles automatiques. Et encore ça aurait même pas dû être en lien avec les membres d'équipage, mais soit, c'est pas grave. Le nombre de membres d'équipage max, vous voyez, je peux en avoir 88 alors que la limite normalement c'est 8. Tout simplement parce que j'ai mis un mode qui permet d'augmenter de x10 la quantité du nombre d'équipage. Bon, ça fait un x11 là en l'occurrence, mais bon, soit. C'est triste, mais c'est comme ça. Et je trouve aussi que à plus de 8 membres d'équipage, on se retrouve avec un vaisseau qui a plus de vie à l'intérieur. Et ce qui est plus intéressant pour jouer dedans et me donner envie de sortir de mon cockpit par le fait de se lever de son siège, de descendre à la baie d'amarrage. Donc voilà. Mais un problème que j'ai pu rencontrer dans ce jeu, quand j'ai passé des heures à faire des vaisseaux. Je vais prendre deux habitations. On va prendre celle-là. Et on va prendre celle-là. On va mettre ça. Le problème, vous voyez, vous avez des portes de partout. Donc ici, c'est un emplacement pour un accès par le toit. Emplacement accès par en dessous. Des portes, des portes, des portes, des portes. Cependant, les portes sont générées de manière aléatoire slash procédurale. Je m'explique. En réalité, vous ne pouvez pas savoir si ici, et je vais faire ça encore mieux, ici je vais rajouter ça. Vous ne pouvez pas savoir si le jeu va décider de mettre une porte là, 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 ou bien là et là, ne pas mettre de porte là, ou bien mettre une porte là, mais pas là, ni là. Et ainsi de suite. En fait, vous pouvez pas savoir d'avance comment le jeu va générer les portes pour vous. Je trouve que c'est un point noir, c'est un petit tweak à faire. Mais c'est un point noir dans le sens où ici, bah, j'ai par exemple un escalier, donc une échelle. Ils appellent ça escalier, mais ce sont des échelles qui se scindent en deux modules. Le problème, c'est que vu que les deux modules sont liés un peu plus loin par un troisième module. Bah, l'escalier va ne se relier qu'à un des deux modules pour que l'autre module soit relié par un autre module qui fait la jonction des deux. C'est chiant et casse-couille à ce niveau-là. C'est vraiment le plus gros point noir, je trouve, sur ce jeu. Donc maintenant, j'ai exposé les points noirs, j'ai démonté un peu les arguments au préalable. Qu'est-ce que je pense de ce jeu? Ce jeu est bien en tout point, mais il n'excelle pas en tout point. Il est un peu touche à tout. Un peu comme, voilà, si vous êtes dans un job, vous êtes un peu touche à tout, mais vous n'excellez dans aucun domaine. Cependant, c'est un Skyrim-like, les quêtes sont nickel et tout ça. Il y a quelques petits points négatifs, voilà, comme la gestion du stockage, le craft de vaisseau, et ainsi de suite. Mais sinon, à part ça, voilà. Un vrai point négatif, allez, je vais lui donner vraiment un vrai point négatif en plus des vaisseaux à ce niveau-là. La non-présence du FSR3. Mais ce n'est pas la faute de Bethesda, c'est la faute d'AMD à ce niveau-là. AMD avait promis que le FSR3 allait sortir en même temps que Starfield et qu'on l'aurait sur Starfield. On ne l'a pas sur Starfield. Et du coup, que AMD ait dit qu'on aurait le FSR, enfin, qu'ils font un partenariat avec Starfield, et bien AMD a eu un gros drama à ce niveau-là parce que du coup, ça voulait dire pas de DLSS3 qui est plus abouti que le FSR2. Du coup, ça fait un gros drama. Du coup, AMD a autorisé que récemment Bethesda travaille avec Nvidia pour le DLSS.
Donc rassurez-vous, ça arrivera sous peu, le DLSS, je vous le garantis. Donc pas besoin de payer 10 balles homme mode sur le Nexus mode parce que le modeur met ça derrière un paywall. Alors que honnêtement, moi je préfère soutenir le modeur en donnant des petits dons par-ci par-là plutôt que de payer tous les mois. Hormis quand c'est vraiment un truc hors du commun. Donc voilà. À ce niveau-là, malheureusement, on ne peut s'en prendre qu'à AMD, qu'à Bethesda d'avoir choisi AMD comme partenaire. Ils auraient dû faire comme CD Projekt Red, à savoir faire un partenariat Nvidia. Ça, on n'en refera pas le monde, malheureusement. Donc, sur ce, la conclusion de la vidéo, ça va être: ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Internet. Les gens font beaucoup de fois leur Peter Molineux, surtout envers Starfield. Donc, ne croyez pas tout ce que disent les gens. Faites attention à ce que vous lisez. Et surtout, partagez la vidéo et commentez-la. Savoir que je répondrai à tous les arguments, sauf ceux qui me paraissent vraiment comme une évidence que que ce sont des arguments fallacieux et complètement débiles sur le fond et sur la forme. Je suis désolé, mais à un moment donné, il faut dire ce qui est. Si vous venez critiquer le jeu sur les textures et tout ça, ça veut dire que soit vous n'avez pas joué au jeu, soit vous trouvez que le jeu est... Enfin non, pas que le jeu, mais que les The Last of Us et tout ça étaient dégueulasses au niveau visuel. Parce que ce sont des jeux dans la même veine au niveau visuel, c'est juste que c'est un jeu futuriste. Il y a peu de jeux futuristes qui peuvent se permettre d'être vraiment, vraiment, vraiment bien critiqués à ce niveau-là. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Tout dépend de quand vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à la partager, la commenter et ainsi de suite. C'était Lander pour la chaîne Gaming, j'espère que vous vous retrouvez dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, dans la description, vous allez retrouver la chaîne YouTube de OvieuGamer pour le Let's Play sur Starfield et la vidéo d'un YouTuber que j'ai vu qui expliquait tout le principe de la quête principale et du New Game Plus. Sur ce, je vous souhaite donc de nouveau une bonne soirée, une bonne journée. À la prochaine, c'était Lander. À vous les studios.